85 aujourd'hui. Pardon, j'arrive au vélo sur Pokémon Platine. Aujourd'hui, on retrouve notre dresseur, donc Averchamp, pour la suite de ses aventures. Donc, après l'arène, ben justement de Verchamp, hein, nous avons reçu le badge. J'ai perdu son nom, mais c'est pas grave. Donc, si vous vous souvenez bien, dernière fois. À la fin il y a Enzo qui est arrivé pour nous dire que quelqu'un voulait poser une bombe, donc il faut aller l'arrêter, enfin Gal Team Galaxy. Donc aujourd'hui on va l'arrêter tout simplement, et puis après on va voir ce qu'on va faire. Alors Luxray, Dacia. Ça c'est sûr. Torterra. Ouais, ça va. Les tours vol, par contre, XP un peu aussi. Alors, Karmash en prio, comme je le veux, hein, parce que voilà, il servira pendant la ligue Pokémon. Roselia, je l'XP, hein, bien sûr, même si lui, il me servira pas trop. Parfait, ils sont la moitié de leur point d'expérience. Je vais combattre celui-là. C'est un nouveau jour pour moi, il est 15h45. On arrête à 15h15. À 16h15, pardon. Joker. En fait, leur feu, ils m'ont pas. Ils sont bloqués au niveau 20. Donc là, c'est le lendemain de ma session de 5 épisodes. Là, et puis, juste pour vous dire que bah, j'ai toujours des problèmes avec Internet. On a changé la Xbox, mais ça ne change rien du tout. Voilà, donc au moment où je vous parle, je ne poste pas beaucoup de vidéos. J'espère que ça va vite revenir. On attend un appel, donc on verra bien. Allez. Pourquoi tu me parles de là? Ah oui, ça arrive. Alors, ce nouveau costume de la classe, non? Avec ça, je ressemble à un crâne de pauvre. C'est pas vrai. Le vice atténué. Et moi je compte pas du beurre, pas la peine de minorer. Ah bah si. Où donc se cache celle? Oh, boum. Qu'est-ce que tu parles d'une pétarade? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai fait, techniquement ça n'était pas moi. Le paquet que j'ai reçu, voyez, c'était une bombe, la bombe de la galaxie. Moi je n'ai fait qu'au bureau et appuyer sur le bouton. Comme ça, bing. Oh, j'y pense, je dois faire un rapport pour ce test. A plus, au fait, la maboule, Thomas qui est ridicule. Oh, le grand marais. Bien inestimable. Vous ne bougez pas de là et ne laissez personne entrer. S'il reste quoi que ce soit de cette bombe, on s'expose à de gros ennuis. Et ma cliente pour celle de la Team Galaxy, moi je reste ici comme dit le maître. Faut empêcher les autres d'entrer. Fais pas. Laisse pas fils, oui. Allez, c'est parti, voilà. Donc, on part à la poursuite de Team Galaxy, même si c'est complètement débile, puisque voilà, super sans retrouver. Rate un sacré peu de colle. J'ai bien envie de te perdre 5 Pokémon, mais je t'organise là aussi vite que possible, alors tchao. C'est clair, arrête de me filmer. Je te lâcherai pas de sitôt. Nous avons besoin d'énergie de l'hélène pour réussir, seul un génie scientifique pouvait y arriver, et par conséquent notre chef est un génie scientifique CQFD. Je sais même plus ce que ça veut dire CQFD. Tu m'espionnais, je pense à aussi. Mais je ne vais pas gaspiller mon énergie de poter les fesses. Pour l'instant, en fait il va raconter à tous les endroits en fait où on a rencontré la Team Galaxy. Il va, on va dire, résumer tout ce qu'ils veulent faire en fait. Alors c'est cool. Comme ça on le sait. Allez, un petit coup de vélo. Oh parfait, je suis en vitesse basse, comme ça je l'aide pas trop. Oh, cette bombe si tu déménages sérieusement. Avec ce petit bijou, rien ne peut nous résister. Je me demande ce qu'il compte en faire. Tu m'espionnais, je pense à vous et tout. T'es vraiment peu de colle, j'en ai marre de chercher à en faire, mais je ne vais pas gaspiller mon énergie de fesses. Je me quête celui de la cargaison de la Team Galaxy, une bombe située et une explosion au grand marais. Qui plus est, tu es sous trousse d'un type louche avec une coupe de bol.
Le tout emballé avec le sujet. En d'autres termes, c'est encore une galaxie qui fait les siennes. Crowdfunded, comment ai-je pu manquer ça? Mais Denis, tu as fait la porte de ta vie. L'individu que j'ai vu faire, c'est lui qui était la bombe. Ah, je vais attendre moi. Attends, je te dis. Attends, mais c'est mon tour. C'est moi qui devais le poursuivre. Attendez, j'arrive pas à entrer. Attendez, j'arrive pas à entrer. Attendez, j'arrive pas à entrer. Ah, toi, le camarade. Oui, je suis genre dans cet hôtel. J'interroge les clients pour voir s'ils ont perdu ce suspect. J'ai besoin de tourner pour mener l'enquête dans les parages, si tu veux bien. Qui sait, le suspect a peut-être déjà filé à notre insu. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de... Voilà, ici, l'hôtel est ouvert. Enfin, sinon, maintenant, je ferai tout le temps off. Hein. Proche au conserve juste ce nouveau monde dont parle le chef. Ça me donne vertige d'y penser, dire qu'on se sert de ça. Par ça, ils disent pas. Et hey, tu me souviens, je parlais tout seul. T'es plutôt tenace, toi. Je suis extrêmé à force de courir. Mais je ne vais pas me battre contre toi. Bon. Ah, mais c'est pas vrai, t'as encore un métrousse. Le lac est en vue. Tu me laisses pas choix, mon Pokémon te met tricard. Je crois qu'en plus un Pokémon, mais de merde. Ah voilà, c'est ça. Pas mal ton niveau. D'ailleurs, ça prouve que je suis dans la grosse merde par rapport au niveau là. Où sera ta... C'est bien fait pour ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Je savais très bien que c'était gagné. Tout XP. Puis au fond, si je n'avais pas couru, j'aurais pu me battre mieux. C'est ça. Depuis ma match, je suis au bout du rouleau. Je dois remettre ceci au commandant. J'aurais voulu pouvoir l'utiliser au lac. T'es mort. Cynthia. Oh bonjour, ça fait une paye. Comment se porte ton Pokédex? Je suis venu étudier les mythes du lac, mais on dirait qu'il est interrompu pour le moment. Tu as entendu parler des mythes à propos du lac? Il paraît qu'il héberge une île, et que cette île contient le mirage d'un Pokémon. Nul ne doit pénétrer dans la chambre de ce Pokémon. Oh, j'y pense. Il y a d'autres choses dont j'aurais te parler. Oh hey, Pokémon, on va passer sur le lac ici. Hey, tu m'avais caché que tu m'avais fait ça. Non, c'est pas d'avance. Ah, bon, d'accord. Vous faites l'explosion d'un grand-mère, rien de grave. C'est monsieur qui a dit de te dire. Mais Team Galaxy a pété les plombs quoi. La prochaine fois je leur réserve un chien de machine. Mais donc j'utilise des termes très provocateurs. C'est un ennemi. Sur le voté comme il est, lui non plus il ne va pas tarder à péter les plombs. Bâtard, c'est bien dit ça. Pour en revenir à nos boutons, tu as vu le groupe de Sigokok? Ah bah oui. Oui c'est ça, près du café route 210. C'est un grand rassemblement de Sigokok qui ont la tête dans les mains. Enfin bref, tu devrais utiliser ce médicament sur le Psychoquack, cela pourrait être utile puisque tu travailles sur un Pokédex. Voilà, donc ce qui va me permettre de guérir ces Psychoquack et donc atteindre Celestia. Ça te permettra peut-être de percer le secret d'un Pokémon nuage. À une prochaine fois. Salut. C'est bon, je peux y aller. Vive le vélo. Voilà, on retourne à Verchamp, comme je vous l'avais dit. Parce qu'on va passer par l'autre côté. Parfait, ça passe. On va passer par là-bas, par en dessous. Comme ça, on va bien passer partout. On va faire tous les combats. D'ailleurs, ce matin, j'ai pas fait les combats. Enfin, c'est vrai que ce matin, j'étais pas là. J'ai essayé, ça marche pas, ça m'énerve. Je sais très bien que ça marche. Alors celui-là, celui qui est méchant contre Skaker. Tu vois où je suis, regarde bien, c'est le centre de la ville. Celui-là il m'échange contre des Skaker à réapprendre une nouvelle technique celui-là. Je fais pas parce que j'ai pas besoin. C'est le maître des capacités. Ah non, c'est pas le maître des capacités. C'est parti. Comme Marie, il y a un Pokémon. Donc je rencontre un Pokémon, ça va être un bonheur, je suis comblé. Waouh. Alors, voilà. Alors ici vous voyez là, il y a deux couleurs.
la couleur claire et la couleur foncée. La couleur claire, c'est le chemin qu'il faut prendre. La couleur foncée, c'est le chemin qu'il faut justement éviter de prendre, sinon vous allez tomber dedans. Voilà. Ouais, là tu vois, je dois bouger comme un malade. Je sais pas si dans la version on le voit, sinon on le voit. Tout est fait pour. Voilà, malheureusement, je peux pas utiliser coupe. D'ailleurs, attendez, je viens de voir un truc. Ah oui, ça, c'est pas un Pokéball. Yes, rappel. Banana split. Non, je veux. Hop là, allez, 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 on se dépêche. Je rapproche la chaise. Allez, un top dresseur, c'est parti. Karma, je pourrais faire. Salut, ma gueule. C'est pas notre dresseur, lui, c'est pas notre dresseur. Voilà, c'est ce que je pensais. Pokémon Ranger. Enfin, c'est la même chose, hein, ils sont aussi forts. Ah non, j'avais dit. Ça va, ça va, ça va, ça va. J'avais 3 Pokémon ou 2 Pokémon. Non, j'ai pas vu 2. Okay. Non, ça a pas tué. Ah, j'en étais sûr, ça s'est vu. J'étais juste juge, donc juste obligé. J'ai pas de Pokémon de type O. Ah ouais, Ponyta, c'est impossible de l'XP ici. Ah, c'est pas où ça. Allez, hop. Yes! C'est un Pokémon de type plante, je vais essayer Ponyta. Je suis au bain, hein. Changer Pokémon. Roselia. T'as des tricks, donc pas beaucoup d'effets sur ce type de Pokémon. Donc j'en profite. Enfin, vite que j'ai une pierre aube, comme ça, troisième évolution. Enfin, j'ai la fiche, j'en ai pas une. Allez, allez, allez. Yes. Oh, frappe, punaise. Alors, attendez, je reviens. Alors, attendez 2 secondes. Tu vas pouvoir sélectionner l'attaque. J'ai un bug avec mon pavé tactile. Re tout le monde. Désolé. Enfin, c'est repassé en dessous, ça m'énerve ça. Enfin, je trouve le moyen de retirer ça. Parce que... Et voilà. Voyez-vous? Non, pas dans rien. Je vais l'attaquer. Autant se faire appeler. Ah non, je crois qu'elle nous attaque pas, elle. Non, elle va nous dire je suis bloqué. Si je suis coincé dans le tour, bien sûr que non. Quelle sottise, je prends un bain de boue. Sinon, tu me ferais me débattre pour essayer d'en sortir. Je regarde quelque chose. Je vais voir. Ok. En plus, c'est pas niveau. Ça sert strictement à rien. Longer les bords, normalement les bords sont toujours sûrs. Sauf ici. Comme par hasard. Alors elle m'attaque. Je crois qu'elle est Pokémon de type O.
Malheureusement, je rate encore des adversaires parce que il me faut coupe pour pouvoir les faire. Yes, j'ai bien géré mon coup. J'ai bien géré mon coup. Je souffre. Tu meurs. Poisson qui reste qui est resté sur terre, c'est pas normal ça. Hop là, hop. D'ailleurs, je pense aussi me faire un Pokémon type eau. Continue le combat. Hein. En voyant Poissière, je me suis dit, il me faut un Pokémon eau pour se cascader et puis sauf. De l'avance, hein, c'est tout ce que je pourrais faire. Ouais, malheureusement. Je voulais utiliser ces pics toxiques, mais non, c'est ça m'empoisonne pas. Ça sert à éviter de use éducation dessus pour rien. C'est pas grave. Voilà, c'est fait. Au prochain. Tellement simple. Donc les joggers le matin. Pourquoi je pense ça? Parce qu'après il y a des policiers et eux ils attaquent que de nuit. Hop là, faut tenter un Ponyta. Plein qui m'ont tenté aussi. Ah mince, là c'est que des Pokémon type eau. Bon ben là c'est. Oh non, 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 non. Parfait. Heureusement qu'il pleut en fait, c'est la pluie qui m'a permis de. Que ça ne marche pas. Que je pêche par moi, tu vas frire le poisson. Le pouscaille. J'allais dire yes, mais son type vol va m'embêter. Oh lui, c'est pas grave. Giga, sans jus. D'ailleurs, c'est bizarre. Déviateur type vol. Ouais, au moins ça lui permet de. Ouais, non, je sais pas. C'est hyper grand, c'est hyper grand, c'est technique. Ça peut être puissant, mais là, c'était pas puissant du tout. Ça va être juste, les gigas sont suivants. Il me reste plus que. Je peux lancer encore 3 fois. Ça va être juste, ouais, ça va juste me suffire. Ah, ça va être puissant. Heureusement, je récupère mes vies au fur et à mesure. Je tiens le coup, dans le coup, je tiens le coup. Oh putain. J'ai envie de tenter Ponyta. J'ai envie de me le tenter. Allez, je le tente, tu es fou. Écrasement. Je sais que c'est une attaque, on attaque en premier. Le 1000 HP, les minions, vous dégagez. Hop là, 1000 points d'expérience. Yes! J'ai dit 1000 HP avant, j'ai désolé, hein, c'était 1000 points d'expérience, je voulais dire. Parce que 1000 HP, je ne connais pas de Pokémon qui ont ce nombre d'HP. Hein. À moins qu'on utilise un code action replay, je veux bien, mais sinon. Ouais. On va mettre des tours vol. Parce que aussi, il va bientôt évoluer. Arrive, je vérifie en même temps si j'aurais pas pierre feu, pierre ovale, et non je n'ai pas, non je n'ai pas, c'est pas grave. Si j'avais une pierre haut, j'aurais bien pu la mettre sur notre cher ami que je ne garderai pas après, qui se nomme voilà, j'ai perdu son nom, Roselia, pardon. Poussière. Yes, un petit peu d'XP, donne-moi ton XP, ton XP. Vol.
Grosse ratée. Ah, tu vas pas mourir toi, hein. Ah, ah non, non, non. Rapic. Un de ces coups de canne, c'était pas un pelican, heureusement. Sinon j'aurais souffert. Donne-moi ton XP. Yes. Allez, on continue, je vérifie mon portable, pardon. 16h05, on continue le combat pour sirène. Retourne dans les serres. Yes, pas confus, pas confus, pas confus, c'est ce que je voulais. Ouais, c'est bâtard ce qu'il a fait, bon, ça va pas trop changer. Pour savoir qui va gagner. Meurs. Ah, bâtard, j'ai tapé moins fort. Ouais, donc il tourne, normalement, va être plus puissant parce que. Il pleut. D'accord, j'ai rien dit, je me tais. C'était même, on dirait, pas puissante du tout la nôtre. Ça n'a rien régène. Je te sens la plaque. Et ma critique. T'as pas le droit de ma critique. Je vais rentrer en void, même si les KO, hein, je peux l'utiliser. Et ben, je vais utiliser Ponyta une fois de plus. Écrasement. Finir. Il est gogol. Mais le mec, il pourrait utiliser attaque type O pour me hausse. Non, il utilise quand même. Voilà. Il perd un tour, il aurait pu me tuer. Ouais, c'est bizarre. Enfin bon. Les Pokémon O sont beaux quand il pleut. Et moi aussi. C'est Kradopo qui est content quand il pleut. Oh, c'est beau. Type O, Carmash, à toi de tuer. Ah, on a rendu qu'à la moitié de la route, hein. Non, même pas la moitié. Ouais, grave. Oh, il s'est raté, le noob. Le noob. J'ai pas envie de tenter tranche, hein. T'es mort. Yes. On continue. Bon. Aïe. Ça fait pas mal. J'ai mal. Oula. Ça, c'est peut-être. J'espère qu'il a pas au mur, sinon je suis dans la merde. C'est plus qu'un PP en plus pour Agora, je vais la faire que je retourne un petit peu vers, vers champ. Je suis pas allé en marchant, hein, perte de temps. Mini-sortance, yes. Barloche, je continue. J'en fous. Dracorage, plus de PP. Tout PP Dracorage, on n'est pas pu le lancer. D'avoir un truc genre, c'est la dernière attaque, donc elle va être hyper puissante. Ouais, si tu veux, je suis un type somme. Noobie. Tranche. Oh, ça va, c'est puissant. C'est puissant. Donc là, donne-moi ton XP. Bâche. Tranche. Yes. Oh, parfait, c'est aussi puissant en fait. Là, ça, non, ça va, ça fait pas mal du tout. C'est mon type dragon qui me sauve. Je le remercie d'ailleurs une fois de plus. Épisode.
Ouah, c'est passé trop vite. Pardon, désolé, j'étais dans la lune. Allez, on est reparti. Je peux sa vitesse, hein, désolé. Je te demandais de te retirer, bah, punaise. Waouh. Je refais le chemin retour qui est très très simple. Oh, le bug de la télécommande qui m'a sauvé la vie. Hop, hop. Ok, je peux pas. C'est pas grave. Alors, il va faire un combat. Bon, putain, arrête de bugger la télécommande. Merde. J'ai qui est en vol. Pour l'instant, ça va, ils sont tous niveau 32. Je voudrais tous que ce soit niveau 36. Avant Célestia. Oui, 36. Je sais, c'est HL, mais bon. Voilà, je les bugsur un petit peu en off. Ça remplit mon Pokédex. Plus que Fidali et Givrali. Et c'est bon, j'aurai toutes les évolutions. Oh, parlant d'évoli. Oh, il a du jeu, lui. En sonnet, je l'ai mis dans la pension. On ira le chercher. Ça, faut pas qu'il up trop. Ah, mais non, ça, je voulais le mettre avec un métamorphe pour qu'il me donne des nerfs. Ah, non, faut pas qu'il up trop, n'empêche. Parce qu'après, si je veux les faire évoluer. Enfin non, c'est vrai que c'est simple. Si il monte niveau 99, j'ai juste à lui donner une pierre, il évolue. Puis après les autres en 9, ils donneront des... Je les favorise sous une autre forme. Oui, ça va être compliqué de le faire monter niveau 99 à la prochaine, mais bon. Vous savez, tout est possible. Et oui, t'en veux le niveau 34 et Belly. Regardez ces gangs. Elles sont très bien mettées. Là, on est Belly. Là, on est Belly. Mantaï. On change de Pokémon. Je tente Ponyta. Pas de puissance du tout, vous allez voir. Vous le faites hors pluie, avec pluie, voilà. Normalement, je sais que j'aurais dû l'enlever la moitié des vies avec ça. Et ce petit gars a de la chance. Ah. J'aimerais bien de tenter. Je tente écrasement pour voir la puissance. Putain, le chien. C'était pas puissant, c'était de la merde. Mais voilà, c'est encore plus puissant presque l'écrasement. Cette attaque là qui va marcher sur le pied. Attends, en plus ça donne plein d'XP, les évolutions d'Evoli, et ça donne à chaque fois un tas d'XP. Waouh, ça fait toujours plaisir. Mais d'habitude tu peux rouler sur ces rondes, ça je le sais. Je crois que c'est un objet de merde. Ah non, ça va. C'était 26, 62 pardon. Ça serait tombé dans l'eau. Bon, malheureusement je ne peux pas descendre. Je peux pas monter plutôt parce qu'il faut coupe. Voilà, donc lui il va pas m'attaquer. Même la nuit, les gens sont en sécurité, voilà, même la nuit. Il le dit lui-même aussi que c'est la nuit qui nous attaque. Bon, je suis pas gaffe à l'heure moi, ça va être l'heure. Et quelle heure? 14, encore une minute. Ah non, 15, c'est bon. 30 minutes.
finit par ce combat, je vais le faire. Parfait, la moitié des vies. Le bâtard. Avec la puissance bien plus puissante. La souris. La souris, la souris, la souris. Allez, allez, on pique, on finit. Et voilà. Alors, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 25. Donc, sûrement pour l'évolution des tours vol. Et oui, l'évolution des tours vol. Karma, ça sera pas maintenant. Nipponita, ça sera pas maintenant non plus. Voilà, donc ça avance bien. Ma petite équipe évolue bien. Elle augmente bien. Je suis content. Je suis content de faire cette aventure avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 25. Allez, salut tout le monde.